Bonjour, bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, je vais parler de ce que j'ai dit à peu près hier. Bon, savez, je vous avais dit que tout simplement, pour l'acte terroriste, était tout simplement un coup de Monsieur Macron. Mais c'est juste une mon opinion, c'est tout. Après, c'est chacun peut dire ce qu'il veut dire, d'accord? Mais aussi, il y a aussi un petit truc aussi que ça peut faire penser, parce que c'est vrai que nos chers amis américains, c'est les numéros un aussi à nous détruire. Faut pas oublier que les Américains, c'est quand même eux qui ont créé le terrorisme. Voilà, c'est aussi ça. Donc, pourquoi je mets un peu sur Macron? Parce que ça fait un peu étonnant. Mais bon, moi je vais être franc avec vous. Dans beaucoup de choses, hein, je vais être franc avec vous. On nous a dit au démarrage 4 morts et 13 blessés. Après, on nous dit 3 morts et 13 blessés. Bien sûr, les blessés restent 13. Ça n'a pas changé. Et là, c'est 2 morts. 2 morts. Vous voyez pas? Il y a quand même deux qui sont ressuscités. Pourtant, il y en a un. Il y en a vraiment un qui est mort cérébralement. Voilà. Cérébral. Donc. Mais, voilà. Un peu étrange, toute cette histoire. Donc, voilà. Alors, je voulais faire une vidéo en live qui, je ne pouvais pas. Je ne comprends pas pourquoi. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Je récapitule l'affaire autrement. Donc, voilà. C'est juste, tout simplement, que. Comme je voulais dire tout simplement, est-ce que c'est un vrai attentat? Est-ce que c'est un truc orchestré? Tout peut être possible au jour d'aujourd'hui. Il ne faut pas oublier qu'on va rentrer sur l'acte 5, qui veut dire interdiction de manifester. Et ça, c'est sûr. Donc voilà, alors je ne suis pas contre de tous les. On peut analyser, on n'est pas là pour se dire, ouais, c'est pas juste, ça se dit pas, c'est pas vrai, c'est pas ça, il y a des morts. On sait très bien qu'il y a des choses en jeu. Donc tout simple. Voilà. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. Ça fait. Voilà. Donc. Simple. Voilà. Ce qui est un peu dommage, c'est faut que les gens comprennent qu'il y a quelque chose à comprendre dans cette belle histoire. C'est tout. Dans cette belle histoire. Faut que les gens comprennent que faut toujours analyser. Je ne suis contre personne, je ne suis contre ceci, je ne suis contre cela. Le truc, c'est qu'il y a quelque chose d'étrange. Il y a des personnes qui analysent autrement. Il y a des personnes qui font d'autres analyses. Moi, je fais mon analyse moi-même, ce que j'ai pensé moi. En même temps, et pas dit contraire. Je peux dire autrement. J'aurais pu dire, ouais, bah, c'est un acte. Bon, voilà. Mais le problème, c'est très, 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 très étrange. C'est tout. Voilà. C'est juste ça, ce que je voulais dire. Voilà. Donc, je suis franchement désolé à vous, les internautes, que tout simplement, vous n'avez pas compris ce que je voulais dire. D'autres avaient. Oh, j'ai pas compris. Bon, c'est. Voilà. Chacun fait ce qu'il pense. Allez, sérieusement, voilà, je voulais faire une vidéo tout à l'heure en live et ça passait en globinette. Donc, je passe comme ça, on va voir ce que ça donne. Ok? Allez, je vous remercie, à la prochaine vidéo, bye bye. Prenez soin de vous.